cabaret. Aujourd'hui, spécial Toseka. Et comprenez, je ne suis pas un comédien, mais c'est une façon de vous dire, mesdames et messieurs, que nous aurons à vivre du spectacle cabaret. Et vous allez comprendre que nous aurons une échappée culturelle. C'est tout simplement avec celui-là qui nous va nous faire bouger, Maya La Marcelle avec Loboko Nambonda. Et bien sûr, la cerise dans le gâteau, ça sera avec Ados Ndombassi. On découvrira l'avantage de cette personnalité sur le plan comédie. Et en même temps, nous aurons un a cappella avec un artiste hors pair. Et entre-temps, nous allons aussi rire. Ça sera avec cette plateforme Watobalabala. On va comprendre beaucoup de choses à travers cette émission. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à ces grands rendez-vous. Je vous remercie tous et belle année 2016 pour ceux-là qui viennent se joindre à nous. Mesdames et messieurs, pour ne pas trop parler, nous allons tout simplement découvrir qui est Ados Ndombassi. Notre invité de ce soir, de cette grande émission, c'est un comédien metteur en scène. On l'appelle Ados Ndombassi Banikina, comédien metteur en scène, opérateur culturel, président de la plateforme culturelle Wato Balabala, gestionnaire du théâtre de Verdure, coordonnateur du Festival international d'humour de Kinshasa, Toseka. Après des études universitaires, Ados change de cap et suit une série de formations et ateliers, notamment formation en interprétation dramatique à l'écurie Maloba, atelier de théâtre de rue, atelier de mise en scène organisé par le QVAS Bruxelles, stage de scénographie organisé par les théâtres de poche au centre Wallon-Bruxelles de Kinshasa, et enfin, en avril 2009, un stage sur le jeu de l'acteur et écriture à l'espace Ngoma de Kisangani, dans le cadre du projet développement culturel dans l'est de la RDC, dirigé par Isabelle Guilin-Litz et assisté de Claudio Dos Santos. Il se lance dans la carrière de comédien professionnel dès 1997 avec l'écurie Maloba. Dès 2003, il joue et met en scène des spectacles tels que L'Enfer, c'est les autres de Jean-Paul Sartre, son prénom malgré lui de Joseph Codey, Prophète sans Dieu de Silman Benaïssa, mise en scène et collaboration avec Noël. Et en 2004, Ados crée la plateforme culturelle Wato Balabala qui assure la promotion des artistes toutes disciplines confondues. Avec elle, il a organisé des tournées notamment à travers l'Europe et l'Afrique avec les compagnies et artistes musiciens et danseurs. Opérateur culturel, Ados gère depuis septembre 2010 le Théâtre de Verdure, un amphithéâtre de 3000 places situé dans l'enceinte de l'Institut des Musées Nationaux du Congo, construit par le feu Maréchal Mobutu pour des spectacles privés. Et en avril 2011, il initie le Festival international d'humour de Kinshasa, Toseka, qu'il produit à travers la plateforme culturelle Wato Balabala, dont la première édition tenue du 8 au 10 juin 2012 et la deuxième du 27 au 30 juin 2013 et la troisième du 25 au 30 août 2015, qui ont été des francs succès. Il y a eu un franc succès. Et au cinéma, il joue dans plusieurs films et feuilletons, Mandat d'arrêt provisoire, Poto Paradiso, Rien qu'à la vérité, Pangyame, John of God et tant d'autres. Il s'agit tout simplement d'Ados Ndombassi Banikina. Sous vos applaudissements, que nous invitons à nous rejoindre sur ce plateau. Et c'est vraiment important, mesdames et messieurs, parce que là, c'est l'ambiance. Bonsoir Ados, comment vous allez? Je les place. Belle année 2016. Merci, je te le réciproque aussi. Quelle biographie. Na bon mi goutou moussous, na bon loba. Bien sûr. Voilà, tout redéveloppé. Eh bien, le secret, Zani. Ben, c'est le travail. Le travail. La résistance, parce que quand on fait de l'art, il faut résister. Il faut savoir résister, persister. Ben voilà, c'est ça le secret, en fait. Mais il n'y a pas quelque chose en dessous qui est derrière toi. Zabou. En fait, ma titre est belé Oyo, toujours le bas, mais là, on a beau s'en aller le bas. Dans sa langue exprès. Ouais. Au Botama, la moine journée. Moi, la Botama, le 28 mai. Tu peux me la soigner, hein? La Botama, le 28 mai.
Non, le papier est cicatrisé, mais oui, bah, il y a le 28 mai. Voilà. Papa peut comme on est avec Ndombassi. Oui, papa n'a pas Ndombassi, comme on est Ndombassi, Aza vivant. Maman n'a pas comme on est caché, moi, Ndigiré, Annette. Aza P. Aza vivante. Ouais. Ah, quantième ma famille? Aza deuxième. Aza deuxième sur une famille de 5. Malheureusement, moi, on a souvent vu ça à Poufa déjà. Ah. Donc voilà, de Tikala 4. Désolé, voilà. désolé. Mais cela me tient. Voilà. Cela me tient. Et mais en même temps, comédien, metteur en scène. Sous-sous-sous opérateur culturel, sous-sous président, il y a plateforme culturelle Wato Balabala, sous gestionnaire, il y a théâtre de verdure, et puis le lot coordonnateur, il y a Festival international d'humour de Kinshasa Toseka. Chargeté. Non, chargeté, je pense que c'est un processus normal. Oui, sous ta lumière, j'ai commencé ma carrière professionnelle en 1997, mais j'ai commencé à faire du théâtre en 1992, j'ai fait du théâtre amateur. En 97, j'ai intégré l'une des plus grandes structures culturelles, qui est l'écurie Maloba. C'était vraiment pour faire le théâtre professionnel. Et en 2003, je suis devenu metteur en scène. En 2004, je suis devenu l'un des opérateurs culturels aussi congolais, donc producteur, avec la plateforme culturelle Wato Balabala. En 2010, je suis devenu gestionnaire de l'amphithéâtre de Verdure, que j'ai récupéré, que j'ai réhabilité, bien sûr. Et en 2000, comment je peux dire, 11 ou 12, j'ai créé bien sûr le Festival international du monde de Kinshasa Toseka. Donc nous montons petit à petit. Et demain, peut-être nous avons aussi, pourquoi pas, des ambitions politiques. Ça, c'est ça aujourd'hui, comment vous voulez politique. Posez-moi la tête que. Politique. Non, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Continuez-nous la ligne là-haut, ça. Là. Est-ce qu'on comprend par où on a les amis de comédien, metteur en scène, opérateur culturel, directeur d'espace. Voilà, ah, peut-être au Premier ministre de la culture. Mais pourquoi pas, c'est aussi un objectif. Ce ministère de la culture, parce qu'on se maîtrise. Mais tout à fait, c'est pour ça que je n'attaque le parcours là. Au moment où il y a la photo, il y a la présidente de la République, au Taliban, à l'Ekaï Sikatel, à Mati. Je pense qu'en matière culturelle, je n'ai pas sauté les étapes, je n'ai pas brûlé les étapes. Et j'avoue aujourd'hui que j'ai encore envie de faire plus. Vous savez, faire de la politique, c'est devenir aussi peut-être, pourquoi pas, l'un des conseillers du président de la République. On peut aussi être conseiller culturel du gouverneur de la ville de Kinshasa. Bref, la politique. On a préparé les gens, on a Baba Kangongo déjà pour la vie. Baba Kangongo, parce que je sais, on a un peu de cigare. Mais c'est quoi, yo? Parcours au niveau de l'Obanga, c'est pas le singe. Mais bon, on a la bise, on va comprendre que pour nous, comme il faut, on peut aussi. Mais si vous avez un niveau de l'Obanga, la difficulté que nous avons, c'est que je suis aimé parce que pour l'instant, on a dit comédie professionnellement parlant. C'était pas facile. Quelles sont les difficultés que nous avons? Bref, dans ce pays, c'est difficile. Là, dans ce pays, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que, bien sûr, aujourd'hui, ma structure, ils vont encadrer ma artiste, les aménités. Quand je suis arrivé en 1997 à l'écurie Maloba, Nathalie Lamopanti, ma structure, ils allaient qui encadrer ma comédien, ma salaire qui est BDT. Ils allaient ma structure, par exemple, la Marabout Théâtre, ma Béjar, Tam Tam, Théâtre National, quelques comédiens, ma salaire qui est Ota, Naïna. Mais sur Tali Lelo, Ming, ma intrigant un peu ma salaire qui, mais sur Tali Lelo, le nombre de structures oétiques pour encadrer ma comédien et ça les sous-limiter. Au ce moment-là, c'est pour te dire qu'aujourd'hui, il y a un sérieux problème financier dans le milieu culturel. Mais je t'explique, c'est pour te dire que jusqu'à ce jour, c'est pareil. Je vais te dire une chose par exemple. Tu sais, pour être. Pour parler de théâtre par exemple, il faut se reposer sur trois aspects. Okay? Le premier aspect, c'est la création. Le deuxième aspect, c'est les infrastructures. Le troisième, c'est le public. La création, dans la création, on voit bien sûr tous ceux qui regroupent bien sûr une création théâtrale, en passant par l'auteur, le comédien, le technicien, voilà. Et en parlant d'infrastructures, quand tu veux créer une salle de spectacle, pardon, un spectacle de théâtre, bien sûr, il faut le faire dans une infrastructure appropriée qui est un théâtre. Mais combien d'infrastructures nous avons dans ce pays? Nous n'en avons pas. Après, il faut parler de public. Aujourd'hui, quand tu crées un spectacle de théâtre, tu ne le crées pas pour ta famille, tu le crées pour Yemunana, Nabatu, Ozomona. Mais le public, on l'entretient.
ce public il doit être entretenu. Mais ma public voilà bah on va mettre ça dans la bataille. Il y a des gens là, il y en a là. Yo place où on a la nazaï kuninga opé ça en réponse. C'est quand justement difficulté au bout d'un an. Mais comme yo y est pénalisé à moi. Mais c'est le public voilà bah comment on préfère vendre à autant année façon ça y ça y autant année élombé à autant année. Mais est-ce qu'à Roya comment la représentation? Je pense qu'on parle de je parle de théâtre. Du vrai théâtre. Je ne te parle pas du cinéma. Hein? Je pense qu'il y a une très grande différence entre ce que moi je suis en train de faire pour la salle sur scène et des fois ce que Saïsaï peut faire. Tu vois, moi je suis un comédien de planche. J'ai fait du théâtre classique. Je fais du théâtre contemporain. Je suis un metteur en scène. J'ai une vraie relation entre le public, tu vois, avec le public. Mais comment attirer cette relation-là? J'ai une vraie relation. Je comprends. Mais comment attirer cette relation? J'essaie d'expliquer qu'à une certaine époque, on était capable de faire de belles créations. Pourquoi? Parce qu'on avait aussi des infrastructures culturelles capables d'accueillir ces spectacles. Il y avait par exemple la halle de la Gombée, il y avait le jardin Motolamoto à Bombiza, il y avait, je me souviens, de l'alliance Belgo-Congolaise, il y avait l'hôtel Memling, il y avait plusieurs infrastructures qui accueillaient bien sûr les spectacles de théâtre. C'est un public particulier. Pour terminer, le public, quand je le dis, on doit entretenir un public. À une certaine époque, encore une fois de plus, parce que je parle des années 90, à une certaine époque, le public était entretenu. Comment entretenir un public? C'est-à-dire, il y avait des saisons théâtrales. Par exemple, tu pouvais parler du mardi ou le jeudi, tu allais voir des spectacles de théâtre au Théâtre National, à la salle Manguita. Okay? Le mercredi, tu pouvais aller chez les intrigants voir des spectacles de théâtre. Le vendredi, tu vois, tu pouvais aller par exemple à l'espace Ruto Mobuchi voir des spectacles de théâtre. Le lundi, tu pouvais aller à Wallonie-Bruxelles International. Le samedi, tu pouvais aller chez les Béjars. Bref, voilà, le public du théâtre était entretenu. Mais aujourd'hui, ce soir, est-ce qu'il y a un spectacle de théâtre ce soir? Je ne pense pas. Est-ce que demain mardi, demain, est-ce qu'il y aura un spectacle de théâtre? Je ne crois pas. Est-ce qu'après-demain, il y aura un spectacle de théâtre? Mais c'est la raison pour laquelle Ados Nomasi est là. Et tout justement, c'est pour ça que je t'ai dit, j'étais comédien, metteur en scène, opérateur culturel. Donc j'ai eu à comprendre les difficultés que nous vivons, que nous avons. Et c'est pour ça que je suis en train de dire que demain, je ne serai pas étonné à devenir un politicien. Donc c'est cette rage-là qui vous anime. Tout à fait, anime. Voilà. Bon, en fait, Nanamo Aza Idolna. Au théâtre, c'est Jean Chakachipama. C'est Jean Chakachipama. C'est vraiment c'est le monsieur qui m'a formé. La écurie Maloba Bazaki, mais ça tout Bazaki, Motomoguchi, paix à son âme, Nonoba, paix à son âme, et tout Tigalavana, Jean Chaka, en tout cas, Yine Azali, vraiment, Azali, voilà, papa Nana, quoi. Parce que écurie Maloba à l'époque, je me rappelle les Agui Kolobama trop, qui est l'élo. Mais c'est pour te dire que écurie Maloba Azali, somme, il y a deux fois. Parce que voilà, Bazo qui a ma représentation. Il y a deux fois. Je vois même Forum à ta côté à Mongali et Mawana. Mais en fait, les crues Maloba se trouvaient bien sûr la Bandal, la commune, il y a Bandal, dans le jardin Motolamoto à Bombisa. Je peux t'assurer, à cette époque-là, il y avait plus de 800 personnes, voire 1000 personnes qui venaient voir des spectacles de théâtre. Mais culture, on est Zaki, parce que vivre social, les Zaki, à l'aise ou bien. Et tu l'as dit aussi, parce que qu'on se le dise aussi, le théâtre demande des moyens, une création théâtrale demande des moyens. Pour entretenir aussi des infrastructures, ça demande des moyens. Et le public qui doit venir voir le spectacle doit avoir aussi quelques moyens. Moi, je me souviens que quand on jouait à l'espace Motomoguchi, un spectacle coûtait 10 dollars, voire même 5 dollars. Et le public était plein. Il y avait 800 personnes. On avait une saison théâtrale qu'on animait à l'hôtel Memling, à la salle Virunga, où il y avait plus de 300 personnes, 400 personnes qui venaient chaque jeudi. Mais il y a eu un problème. Quand il y a eu les premiers pillages, qu'on se le dise, c'est là que la crise quand même sociale a commencé dans ce pays. La crise sociale a commencé vers les années 91, 92, à partir des premiers pillages. Donc quand on peut dire que la démocratie est entrée dans ce pays, bien sûr, voilà, il y a eu une instabilité économique. Est-ce que vous pensez relever le défi? Ben, c'est possible, c'est possible. Mandarin. Mais c'est possible, c'est de la volonté. Tu poseras cette question quand je deviendrai politicien, je te le dirai. Mais l'élo, ça en est déjà au commun. Non, déjà. Aujourd'hui, je préfère qu'on parle de ce que je suis. Ça, t'es. Non, je préfère qu'on parle de ce que je suis. Au moins, il te met à venir. Hein. Non, pas non, mais à venir. Au moins, il te met à venir. Je préfère tout bon, à venir, on comprend. Parlons de ce que je suis aujourd'hui. Et après, je pourrais peut-être redire quelques bribes. Mais là, au-dessus, au Ibisao, peut-être que la zombie, ça fait de la voix politicien. Ah, yo, mais on l'a mis déjà dit.
Mais d'ailleurs, l'habiter. On l'a certainement, mesdames et messieurs, vous venez de vous joindre à nous. Nous sommes dans cette grande salle de fête, Lambert Niembo, à l'hôtel Biaka, au Biaka Hôtel, croisement Éthiopie-Victoire. Babi, le luxe à votre portée. Alors, Ados Domasi, vous aimez le ballet? Oui. Ils appellent à 4 et à théâtre parce que je suis venu à l'Obango. Je suis venu à la théâtre, je suis venu à total à la TV, mais théâtre, je suis venu à la définition de l'Europe, ça déjà parce que je suis venu à. Mais il faut imaginer plus le théâtre. Pour parler de théâtre, il faut vraiment avoir un contact avec le public. Tu sais, aujourd'hui, le théâtre a beaucoup changé. Avant, bien sûr, on parlait de théâtre classique. Mais grâce aujourd'hui au théâtre contemporain, c'est un peu bizarre, on venait d'en parler tout à l'heure. Aujourd'hui, le théâtre contemporain nous a facilité beaucoup de choses. Mais la première grande relation, il faut qu'il y ait une relation entre comédien et public. Voilà. Et cette relation entre vous et nous, mesdames et messieurs, je veux vous signifier quelque chose de très génial. Il s'appelle Marcel Mayal. C'est lui qui a initié ce groupe. C'était le 22 juillet 2002. Et ayant participé à plusieurs festivals, festival de peuples autochtones, festival du Super Pondou, et bientôt, ça sera festival Mbonda Elela au centre de Bruxelles. Là, je vois Eddy Mboyo, le percussionniste. Clin d'œil spécial à toi. Nous invitons, mesdames et messieurs, le groupe, le ballet, Loboko Nambonda, sous vos applaudissements. Thank you.
dirais le ballet Loboko Nambunda. Je disais même qu'ils ont une grande prestation, ça sera le 27 mai à travers le festival Mbunda Elela et Dimboyo. Toi tu sais, tout ça dos Ndomasi. Mais j'aimerais quand même que Marcel Mayala, en 30 secondes, ailleurs le Belab Selo Moko. S'il vous plaît Marcel, tu peux venir quand même, on a envie de te voir, Marcel. Marcel Mayala. Alors, Ados, je te présente Marcel Mayala. Salut Marcel. Mais Obi, non ça là qui songi. Bah y a pendant ti et pas na yokuna. Eh na théa de verdu, bah côte salette ti le lo évan en artiwa. Ah. Oh kaka bato, bah bête kaka kaka nini. Mal à ça les informations, hein, c'est banquette na gare. C'est donc lettre la biso de côte na. Voilà le roi sur le rond à Kuzuma, la bimisi na na kunini. Ben yo. Non mais y a pas de problème, y a pas de problème donc. Sur beaucoup de ça, j'ai l'être. En tout cas, mais au bout d'un sou, t'as aussi. Voilà. Ouais, mais le gars, c'est ça. Ok. Recrutement, bah, on coupe bien dans l'animal. Ouais, donc, la ligne qui n'a signalé dans le bateau, madame, vous êtes dans la bise, dans mon parou. Donc, vous allez dans la formation de toujours, vous allez dans la bise, à la bise, à bise, à bise, à bise, à 0-89-63-63-858. La bande de 0-89-63-63. 858 donc vous avez sur au Goya mais la possibilité la paix à monter dans tout mon comprendre Silva donc les gars managers donc on a vraiment donc vous devez vraiment adorer ça la mission donc il est bien animé de simple au Goya Mbunda la possibilité là et du bon père merci beaucoup. Là c'est génial mesdames et messieurs, c'est toujours avec Ados Ndombasi Banikina, il est comédien, metteur en scène, opérateur culturel, mais nous allons parler de la mise en scène. L'enfer, c'est les autres. Tosu Soussou, Baniniba, l'enfer et le paradis. Au fait, comment est-ce qu'on parle de la mise en scène? Batoumi, bah, comprenant, t'es mise en scène, les animés, bien metteur en scène, Azanan. Bon, le metteur en scène, c'est un peu comme un réalisateur dans la cinéma. Plus ou moins. Je pense que le metteur en scène, c'est celui qui a la vision en fait, du spectacle, qui amène la vision d'un spectacle. Tu peux avoir un texte que tu lis, ok, vous pouvez être à 10, et le metteur, c'est lui qui vient vraiment canaliser, qui vient orienter, bien sûr, la vision de ce spectacle. Il vient avec sa propre vision, tu vois, et il fait, comme j'ai l'habitude de dire, il crée pour en faire un rêve. Non. Le metteur en scène, c'est un rêveur. Et son rêve devient une réalité sur scène. Donc c'est lui vraiment qui crée. Quoi. Mais la créativité d'un metteur en scène est très compliquée. Mais quand on parle du souffleur, par exemple dans une représentation, bah, on va souffler. Tu vois, encore une fois de plus, je pense au qui est la salle Mungita, toi la salle du zoo, au mon aïsa, mon maboulumi, balézalara, comment on appelle la scène, hein? Les aïsa qui sont dans le texte, on reprend, dans un assis à vos souffler, on reprend, et vous allez répéter, tout ça, le roi, le corbeau et le renard, le corbeau et le renard, maître corbeau à Bossani, t'es sur un arbre perché, au second là. C'est ça en fait le souffle. Mais les ils ont sauté. Ce que commandez. Non, ils ont sauté vraiment et comment vraiment plus de réalité. Les gens travaillent plus. En fait, ce qui est vrai, là, quand même, le théâtre classique, ils avaient finalement la faiblesse qu'on reboue. Mais aujourd'hui, le théâtre contemporain, la solo, les gens préfèrent la réalité, quoi, tu vois. Tu as un texte quand tu es un bon comédien et quand tu es en face d'un bon metteur en scène, aussi, là, vraiment, aucun texte là haut pour que ose à la facilité à rendre devant le public. Imagine un artiste qui n'a pas son texte, qui a des trous de mémoire. Comment il va le rendre? Comment il va être à l'aise sur scène? Donc aujourd'hui, les metteurs en scène ont préféré au Mablo pour aller à la souffle. Ils ont vraiment rendu un peu paresseux. Oui, très paresseux. Il peut au vivant et l'eau Guano. Oui, on a tous vécu avec l'eau Guano, tu vois. Au bout de temps, aux à la scène, et qu'on y ait que Moutouazan la Simana, à vous souffle et l'eau. Aux moments là. Et au PC et vous allez forter texte et ma malade parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est derrière toi. On se comprend, mais quand tu sais qu'il n'y a pas de souffleur, tu feras un effort soit d'improviser parce que le théâtre aussi nous permet aussi d'improviser au cas où tu as un ami et peut-être que aussi si vous avez là-bas, comment on appelle, tu as des bons comédiens qui t'entourent. On se comprend, par exemple, par vous aider au bas souffleur dans les mots professionnels, mais ce qu'on a là-bas, au yo mon joueur, ouais. Sonaye Dio 4.
de Kiluba Mouika, maître Koku de Philippe. Et toi, j'ai plein de coupables de Mouto Mobidj. Ni ne bêta au film, ni ne bimisa au théâtre. Oh là là. En tant que comédien, vraiment, en tant que comédien, il y a un spectacle, Oadiposso, la Bétaza, les parents de Minza. Ils avaient adaptation, il y a pièces pour Molière. Après, il y a un spectacle Roberto Zucco ou la Meta, c'est l'acteur principal. Et puis, il y a un autre spectacle, Lille, ou la Meta, na Wanne Mogo, et Tamou la Pleu Ambo Rebele. Donc, vraiment, c'est ça, ma pièce, moi, Dieu 4 pays, ça, ma pièce Mongo, et il fout la main à la République, parce que je jouais le rôle de Jésus-Christ, aux hommes. Donc, c'était un très beau rôle. Il y a aussi des pièces comme Son prénom malgré lui. En fait, bref, j'ai plusieurs pièces de théâtre. Mais oui, marquant à ma case, si je peux parler de Baron de Minza, parce que c'était la première pièce professionnelle où on a joué à qui. Et la pièce pour propulsant à ma case, ils allaient Roberto Zucco. Et puis, pourquoi pas parler de Lille. Oui, Beta au second film. Oui, ça l'est Benoît Lobina. Tiginanga Boulot. Ok, Zati. Oh. Ah, Zati. Non. Oh. Zati. Non, tu sais, on a mis son théâtre dans les uniformes. Et ils en ont les uniformes. Et quand tu travailles aux impôts sociaux, au moins de là, je suis devenu aujourd'hui un opérateur culturel. Je suis président de la plateforme culturelle Watoba Labala. Et dans un impôt, ça la zone dans la scène. Au moins. Et le contact que j'ai aujourd'hui dans la scène, j'ai la chance d'être aujourd'hui le directeur artistique du festival Toseka. Au moins là. Et deux fois, je fais aussi les mises en scène la rate à festival Toseka. Mais Toya Soussou, de l'eau, Toya, en 2004, pour créer plateforme Wato Balabala. Wato et Balabala, pourquoi? Il y a une nini. Nous avons une Balabala. Nous avons une Wato. En fait, Wato Balabala, c'est une très belle, bonne question. En 2003, la Zalaki comédien, la spectacle a béni Roberto Zucco. C'était un grand spectacle. La Zalaki à peu près, si je ne me trompe pas, 19 acteurs. 19 comédiens sur scène. Spectacle de voyage à l'Ango, de Kilan, de Burkina Faso, de Kilan, de Bétamon, de Paris, de Niger, de Cameroun, de Bénin. Bref, il y a des spectacles mongo, il y a mon aile. Au moment là. Mais le spectacle, il y a une particularité mongo. C'était le seul spectacle à l'époque qui a pu rassembler une synergie d'artistes. Donc, Nakata Roberto Zucco, il y avait des stylistes qui ont travaillé, il y a des scénographes qui ont bossé, il y a eu des techniciens, des danseurs, bref, c'était un spectacle qui a réuni plusieurs autres formes culturelles. Et on s'est dit, Lélo et Oto Sangani, parce qu'il va miner l'aide de la salle de spectacle. Mais tant bah, okay, est-ce qu'il faut au panza? Alors, c'est qui idée la manime dans la vie maintenant. En tout cas, la CPD de Sanganibo. Pourquoi pas créer une plateforme culturelle qui va regrouper des artistes de différentes disciplines. Néné de Sanganibo, un spectacle. Et on a commencé avec des comédiens, bah plasticien Mazaraki, bah styliste, bah opérateur culturel, bah journaliste, bah animateur culturel. Bref, on a créé une plateforme culturelle qui avait pour objectif de promouvoir les arts comme on est. On se reprend. Et quand tu verras même dans Nakata Parcours, on a au moins la plateforme culturelle Wato Balabala et produire un spectacle ébellé à l'extérieur du pays. Embouteillage notamment. Embouteillage, il y a Jacques Banayama, Tomé Dissango, Nabé Tsango, la Burkina Faso, la Bénin, la Niger, la Togo, et Dimoyo, Odiolobal. Groupe La Sanza. Le groupe La Sanza. Je l'ai fait tourner, on a fait le Bénin avec lui, le Rwanda, le Congo Brazzaville. La compagnie Losangani. Losangani, à tout cas, on a la Poto, la Belgique, la France. Bref, voilà. Donc, l'objectif de Wato Balabala Zalaki, d'être. Non, mais Marshall Dixon au Bossani. Marshall Dixon, tu vois, n'a voyagé année, tu qui l'année la Poto, la Limoges. Et de Yomoto, Sali, qu'on fait mouler les là. Vraiment, tu qui l'année. Tiens, 10 millions. Voilà ce qui après. Gala l'obitata. Akimio. Des Marshall Akimate, à soi contre un aéat, c'est qu'à la main. Oh! Je suis dit dernièrement. Ouais. Dans les années, ils ont des réalités. Ils sont comme ça, ouais. Jacques. Alors ça, la clip na ye. Ouais. Yozawana, au son à l'Ionima, n'a témoin. Ouais. Point à qui mieux t'es point, car à Marshall. Non. Tant Marshall ou Yamay, ou tu n'es pas question. Je préfère. Wato Balabala. En tout cas, Wato Balabala, qu'on se le dise,
et produire un spectacle BD. Même le tarmac des auteurs, hein, Watou Alabala a tourné avec sa pièce Attentat. Hein, tu vois, déjà, Naba Bénin, Niger, Rwanda, Burundi, Goma, Outafika Théâtre, Astrid Mamina. Donc, les lois, tu vois, la balana pour sauter. Et ça, moi, ça, les bénins, arrête à mon coup. Et mon coup, samedi, cabaret, PO, et pourquoi pas Watoba Labala est réhabilité amphithéâtre de verdure. Tolbaon, clairement. Amphithéâtre de verdure, les Alaïs Kamro, aux Alaïs, comment on l'appelle, oubliés. Les Alaïs pillaient totalement. Et Watoba Labala. Watoba Labala, Kamati, Watoba Labala est récupéré amphithéâtre de verdure. Et réhabilité en haut. Watoba Labala est le qui financement. Et un PC merci d'avoir donné Bruxelles International. Où il a financé réhabilitation totale, il y a amphithéâtre de verdure OUE. Ils vont appartenir à l'Institut des musées nationaux du Congo, qui est dirigé par le professeur Joseph Ibo. On applaudit quand même. Bon, j'ai dit, mesdames et messieurs, je dirais, l'inspiration, c'est le monde de Dieu, comme dit-on. Mais certainement, mesdames et messieurs, nous allons rire. Nous allons rire. Tosekat. C'est ce qui va, c'est une transition, et comme on a vu, on a Festival international de l'humour de Kinshasa Toseka. Mais on va commencer par qui, mesdames et messieurs? Vous allez comprendre vous-même, vous avez la lèvre à sourire, hein, comme on dit, sourire doux. J'invite, mesdames et messieurs, Emmanou Tara à nous faire rire pour l'instant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir à tous à Kinshasa. Je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Vous savez, la vie à Kinshasa et en Europe, c'est différent. En commençant même par l'amour. Rien que par la définition de l'amour, tu comprends que la définition de l'amour selon l'Europe, c'est différent que la définition de l'amour selon Kinshasa. Selon l'Europe, l'amour c'est un sentiment intense qui englobe la tendresse et une attirance entre un homme et une femme. C'est très bien. Faisons maintenant l'amour selon Kinshasa. L'amour, c'est un sentiment intense qui englobe les mensonges, l'escroquerie et une attirance entre les formes d'une fille et les poches des hommes. Oh. Je vous dis, vous savez, façon la technologie évolue à Kinshasa, même l'amour évolue. Avant, tu pouvais draguer une fille, tu dis n'importe quoi, la petite accepte. Va draguer une fille aujourd'hui là, vas-y. Moi, hier, j'ai dragué une fille, je lui disais, Rosy, tu sais quoi? Je peux t'offrir un morceau de liage pour que tu en passes un oreiller. Tu sais que les paroles sont bonnes, mais l'argent reste. Aïe! Vous les 26. Mesdames et messieurs, c'était Emmanuel Tara. Nous avons rigolé. Hey, ça dit que comédien Zamoutoua étudie à la société. Oh, il y a blague, hein? Comme dans ma élite. Bon, on va faire la stand-up. Et bah, t'as ma aide, y'a blague, tu sais. Vous avez commis sa plateforme, Nayo, hein? Non, mais ils a blague, tu sais. Parce qu'il faut se le dire. Vous avez la langue à ma bête, l'élo. Hein? La langue à ma bête, c'est l'élo. Je sais pas si vous avez la concurrence à la tête. La langue à ma bête. La langue à ma bête. Vous avez la langue à ma respignance. Mbo, et ça, vraiment, bah, t'as le la stand-up, la rada mbo. Donc, vous avez la bateau, bah, ça, la moins allée que. Ah, ça, la théâtre, tu sais. Aïe, aussi qui s'est ouvert en français. Dès que tu as un one-man show. Un one-man show, mais. Donc, je parle du stand-up. Ouais. Ça veut dire quoi pour avoir compris? Bon, on va expliquer. Ok, toujours dans ces rituels de stand-up, nous invitons César. Si vous appelez César Mansuit. César Mansuit. Je crois que vous allez comprendre. Bonsoir Kinshasa. Bonsoir. Ah, vraiment, je suis ravi. En fait, je vais vous dire une chose. Un jour, mon père et moi, nous étions allés voir un prêtre parce que mon père cherchait le visa. Il a raté 3 voyages à cause du visa. Il va devant le prêtre. Le prêtre lui dit, papa, il faut mettre la foi dans tout ce que tu fais. Mon père, il dit la foi. Le prêtre dit oui. Il dit la foi. Mon prêtre dit oui. Il dit... Mon prêtre, c'est que c'est impossible. Il dit pourquoi? Je souffre d'une cirrhose de foie terrible comme tu me vois là. Le prêtre dit non. En tout cas,
si c'est comme ça, allons dans la messe, comme ça tu vas prier avec les autres, parce que moi-même je suis incapable de faire la prière pour toi. On arrive dans l'église à l'intérieur. Vous-même, vous savez, à l'église catholique, au moment du Gloria, il y a le prêtre qui entre avec les acolytes. Il a toujours des acolytes comme des danseurs. Là, il va danser avec les acolytes, mais il va tourner l'altar. Il était occupé. Ses mains étaient occupées. Il avait à gauche la censoir et à droite l'asperge. Aïe, aïe, aïe. Vous-même, vous savez, pendant le Gloria, il y a une chanson là qu'on chante Kembo. Vous allez faire la chorale et moi, je vais vous montrer les prêtres qui avaient son pantalon qui était un peu, qui vacillait un peu et il n'avait pas de ceinture. Les boutons aussi étaient mal attachés. Maintenant, il devait tout faire pour retenir son pantalon. Vous allez faire la chorale et moi, je vais faire le prêtre. Ça va? Kembo, kembo, seko, na seko, eh. Obile, ko, biso, seko, abandeko, kembo. Continuez à chanter, je vais faire le prêtre. Le prêtre était comme ça avec ses acolytes. Il entre avec ses acolytes. Souvenez-vous, ses mains étaient occupées. Il entre. Du coup, le premier bouton saute. Pac! Ah, ok. Il commence à écarter les jambes pour soutenir son pantalon. Abandeko. Pendant qu'il avançait avec ses acolytes, le deuxième bouton saute. Abandeko. Et là, les mamans catholiques, les papas catholiques, remarquèrent la nouvelle danse venue de chez Pape. Ils ont dit non, 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 non. On va danser avec les prêtres. On va danser avec les prêtres. On va danser avec les prêtres. Laissons tout le monde. Abandeko. Et là, les acolytes, les prêtres catholiques, remarquèrent la nouvelle danse venue de chez Pape. Ils ont dit non, tiens, 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 on va danser avec les prêtres, dansons. Abandeko. Attention, le quatrième bouton va sauter. Le quatrième bouton va sauter. Et ça saute, les prêtres descendent. Bonsoir. Bonsoir Kinshasa. Vous savez, moi je suis un locataire. Et dans la maison où je vis, il y a 6 familles, 12 parents, 6 garçons, 6 bébés et 6 filles. Et ensemble, nous ne partageons qu'une seule toilette. Dans le style de D'Artagnan, tous pour un et un pour tous. Voilà pourquoi ma Bayeresse a créé un système génial. Des horaires fixes et très précis pour distribuer les toilettes. Premièrement, nous avons les chieurs du matin, que nous appelons chaleureusement les chi-matins. Eux vont chier entre 7h et 7h30. Dépasser 7h31, monsieur, madame, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, peu importe vos titres et attributions, allez chier ailleurs. Deuxièmement, nous avons les chieurs du midi. Eux vont prester entre 12h et 12h30. Dépasser 12h30, monsieur, madame, allez chier ailleurs, s'il vous plaît. Mais les chieurs majoritaires de la capitale sont les chi-soirs. Voilà pourquoi on retrouve des embouteillages pleins dans toute la capitale. Autour de 18h, les arrêts sont pleins. Et vous verrez des filles en train de demander « Taxi ! Taxi ! Taxi ne vient pas !» Elle voit un moteur, elle dit « Moto ! Moto ! » Le moteur qui vient dit « Mademoiselle, c'est 1000 francs !» Elle dit « Même 2000 !» Et vous verrez de l'autre côté un fonctionnaire en train de dire « Transco ! Pas de Transco ! Esprit de vie ! Pas d'esprit de vie ! » Et de l'autre côté, vous entendrez une belle voiture pour les autorités qui ont le pouvoir en train de sonner une alarme en disant « Wouh ! Wouh, 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 wouh ! Yo, le roi Nandela ! Wouh ! Wouh, wouh, yo, battez la bombe en aïe ! Wouh ! On se retrouve du 25 au 26 à la halle de la Gomée ! Toseka ! C'est génial, mais au lieu de bloquer au penna, ils ont moins catégorie à battre. Non, cette catégorie à battre, c'est pour la commander.
Congolais Nyos. Ouais, pays français, naïf, pourquoi pas, quoi, tu vois. Nous sommes un pays francophone, n'oublions pas. Hein, je pense que nous sommes, si je ne me trompe pas, le premier pays francophone. Si là, je me trompe pas. Talaram. Est-ce que vous avez un peu de parce que déjà, c'est la famille, n'a pas été. On a wangani. On a wangani été. Le problème est Zaboué. Inspiration. Yom to pesi bango. Yom to encadré bango. To eza wato balabala. Non, en fait, je pense que un humoriste doit s'inspirer des faits sociaux. C'est important. Pour reprendre. Eza peut-être mingi ba aidé la bango. Après, nous, on est là aussi pour orienter, pour encadrer, pour embellir la chose. Les alogos la paix au monde, moi diamant et vous m'avez m'appelé, les alans brut. Mais tant bataille en oubliant, il y a un moment de la balade ici en monde, c'est dans ma bague à Kito, tu vois. Donc, ma candidat, il cause à la vie avec une étape brut, mais on essaye de tailler ça. Mais aussi, nous avons pour objectif, il y a beaucoup de sapés maïs là-bas. Au moment là, le festival Toseka, depuis la première édition, ils ont pour encadrer humoriste bon moment. La première édition, par exemple, le festival Toseka, on avait invité Maman. Maman qui est venu encadrer Batrogo la Bacadiomo, le Batrogo à Rock Bodo, Batumao, tout ça. À la deuxième édition, il y a eu Omar Defunzu qui est un Gabonais, qui a encadré certains qui sont ici aussi. Le Colabaroncia, Abel Boala, qui est encore Emmanuel Dara, Jean-Pi, tout ça, bref, voilà quoi. Et à la troisième édition, on doit encadrer Moza Godi Kim. C'est un humoriste belgo-congolais, aux homos là. Il est allé encadrer Bango et ils ont fait ensemble un spectacle Made in Congo qui a été financé par Wato Balabala, bien sûr, par l'entreprise du festival Toseka. Donc, il y a un mais le 25, non, le 26 mars. Le 25, le 26 mars 2016. La halle de la boue. À partir à 19h juste. Batbaya est mêlé. Pour lui, bientôt, c'est la tente de bêta réservable. Il faut Batbaya est mêlé avant. Reprendre. Donc je pense que déjà vers la fin mois de février, billet vous allez déjà en vente. Reprendre. Et comme ça le 25, le 26, deux jours, et vous allez avoir un week-end du mou, la festival de Ségral. On applaudit quand même, on applaudit. Samedi cabaret, est-ce que ça va samedi? Est-ce que ça va? Ouais. Super, mesdames et messieurs, je pense que on a beaucoup de choses à se dire. Marie Tonto et Binito, vous autres gérer un mot. Toi quand même. Abel, ouais. Abel na rentia. Parce que Abel, moi, si moi, moi, si moi, qu'on a wato balabala, bateau et la balabas, c'est à Gaïe Moko. Azaï Moko, pour le moment. Pour le moment. Pour le moment, Azaï Moko. Donc, au thé, à Péba, en bas, c'est un talent. Hein. Mais vraiment, je te dis, souhait la bisou, les actes, ma jeune, tout soit encadré, mes assets. Parce que pourquoi la mort, Mibale Bazate, Félix Kisabaka, le capitaine de l'équipe Bazate, Azobela, na équipe de Bélard Bazate, il y a ça, la slam. Mais tout le monde ici, pas comme moi, le rôle à moi, au Tazo, ça la paix, humour. Donc, bah, tout 7 Barozala, la halle de la Gombe. Bon, c'est moi là. Et je peux t'assurer sincèrement, Zambé, à Kokissa, Maramou. Pour pousser, on peut la publicité, tout comme moi, la publicité. Mais sous la publicité, Zali, qu'on va se tarer. Les papas publicités, vous désirez le bloc. On peut la publicité. Les amis, tout mouquet. Oh, et quoi, ma, de la paix, c'est exact. Non, mais pourquoi moi, t'es le bim, pas jouer dans le cinéma français, dans le cinéma américain. C'est comme toi, tu as joué aussi dans Nîmes. J'ai joué dans plusieurs films. Voilà, plusieurs films qu'on va citer, j'avais même cité. T'as dit de comprendre que vous êtes fier tant que l'Andabana nous n'est pas au sale. Mais il y a eu ça, mon frère. À toi, tu n'as plus ma question. Moi, je ne vais pas. Hein? Vous êtes fier, t'es. C'est toi, fier, t'es. Super. Oui, mais comment est-ce que tu as un événement aimé? Oui, mais Cora, par exemple. C'est un événement où il s'est la maquille à moi la mouka. Il y a comme moi l'aime. Mais bon, moi, Mika, qui va changer en nous. Et ça, qui est comme Afrika. Après, il y a comme moi l'encore. Aux hommes, là. On a besoin d'informations. On va dans la naïe. Oh, mais ça, le quoi la massa. Mais massa. Et ça, il y a vu Mika, ça. Aux hommes, là.
Ils ont été un Mikanza. Mais, Congo, et si l'événement, Abidjan va récupérer la scène événement. Mais parlons peu. Mais nous, tous les festival tous ces gars. Tous ces années. Bah, Abidjan va récupérer un les sous. Hein? Gabon va récupérer le festival tous ces gars. Et le festival, c'est la fierté, il y a mort à la mission. Au second là, n'oublions pas qu'aujourd'hui, le festival tous ces gars, ils ont 5 objectifs bien précis. L'objectif est pour soutenir Dokoma, le plus grand événement culturel d'Afrique. Il y a rire. C'est un objectif. Ouais. De rire. Mais pourquoi pas vraiment le plus grand événement culturel. On se reprend. Le deuxième tournée, c'est le festival Toseka. Et pourquoi pour la Moussa tourisme. Parce que oui, le tourisme, il peut se rappeler pour mon avis. Parce que le théâtre de Verdun, déjà, ils appellent ça tourisme. Voilà. Au second, voilà. Et puis nous voulons aussi être un festival qui impacte économiquement la évolution. Moi, Brotel, Libanine, tout ça. Tout à fait. Voilà. Et sur le plan social, à chaque édition, un festival de Seca, le Kenarana va jeune, la Bissot, le Kenarana va star, Nyonson, d'abord Felina, d'abord Pomme de Villard, quoi porter, sourire, d'abord tout hasard, la possibilité, tu sais, il y a quoi au Seca, la théâtre de Verdun, en amenant un petit cercle de foufou, un petit cercle de riz. Et sur le plan politique aujourd'hui, Tony Vito Seca Pekoma, l'un des plus grands événements culturels francophones. Mais déjà, trois éditions. Trois éditions. Nous préparons la quatrième édition. En tout cas, j'espère que vraiment, bah, on dit qu'on va en avoir maillé. On va en avoir maillé pour que Moka et Zala Kimia, pour que tout s'écape et ça la quatrième édition. Je remercie le chef de la salle, la salle de fête Namber Nimbo, Papa Edmond Kassongo. Merci beaucoup à Sylvie Ngoyi, la gérante numéro 1. Merci à toi Richard, merci à DJ Patrick, merci à la grande salle de fête Namber Nimbo, à l'hôtel Biaka. Mais ce que mon émission invité à Komara, journaliste a commis invité. Moutouna Mokoka. Solo là. Papa Junior. Obani Moussala Oyo depuis combien de temps? Puis pas si la mot Isaline. Yibi Sabiso, Banambo Bazoka. Bon, Nabandi na 2002. Mais bah bien là on a pé, voilà là bas c'est on a banni na R na Nini na Clem Malebo, directeur Adrien Van, on a bas vélo d'acquis, bah bien là on a bas Sarah Dacuz, bah Nancy Mutoto, bah Marius Mung, on a bas aussi succès là, voilà. Après, d'ailleurs on s'est professionnalisé en 2005, parce qu'on a avec Tony Bassi, il nous a aidé là, vraiment formé là, les bah difficultés les amis nous ont invités. Des fois, la carte journaliste soit combo tout n'a évité. Mais si vous voyez quand même ces juniors, on dit ah, est-ce que l'émission est à la maïsse? Tu vois tout ça. Donc, la difficulté à moi, mais tout ça va combattant. Tililon a 2016, tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je crois que je vais remercier toute l'équipe. Merci à Jean-Cyr Mur, merci à Kings. Merci à Yannick Aye et Papa Angelica. Merci à vous tous. Merci à Gilbert, il a dit le DG. Merci à Chabani Record, à Bilhomme Intelligent. Merci à Maurice Gigandou. Merci à Jacques Piana. Merci à Papi Mandeke. Merci aussi au directeur de programme, Dou Jésus Bélédou. Merci à toi, Dos Domassi. Merci, mon frère. On a un merci à temps. En tout cas, merci à tous. Merci de la Valet qui l'a à tous ces gars. Merci Pénabandoura, tout ça, ma caméraman, à toute l'équipe. La vue la Margadi Chabani, Gilbert Miladi, Bélédou, Dou Jésus. Donc voilà, il y a Kati. Merci. Partenaire à tous ces gars. Merci beaucoup, on se retrouve prochainement. Là, nous invitons tout Saint-Patrick et Yambo. Bisous tout au côté. Et puis, avant ton matin, tout ça, la maman, Aya. On va rigoler. Oh, c'est bien. Yeah, on va rigoler.